Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur, pour nous continuons notre série d'enseignements sur Jésus-Christ et Seigneur. Là où vous êtes en train de nous suivre, soyez bénis abondamment. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci pour cet instant que tu nous as donné. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ce moment. Couvre-nous de ton ombre, au nom puissant de Jésus. Que cette parole construit, édifie, bénit un frère, une sœur, tout celui qui nous suivra de loin ou de près, dans le nom de Jésus. Amen. Je viens de dire que nous continuons notre série d'enseignements sur la Seigneurie de Jésus-Christ ou Jésus-Christ est Seigneur. La grande question que nous allons répondre aujourd'hui, quelle est la doctrine centrale de la foi chrétienne? Si on vous posait la question, quelle est la doctrine ou l'enseignement central de la foi chrétienne? Quelle est la vérité fondamentale du christianisme? Si je vous posais la question, quelle est la vérité fondamentale du christianisme? Que signifie être chrétien? Ce sont des questions à répondre. Que signifie être chrétien? Une brève réponse à toutes ces questions, je dirais, Jésus-Christ est Seigneur. Je confesse Jésus-Christ comme Seigneur. Je confesse Jésus-Christ comme mon souverain. Cela veut dire, quand quelqu'un confesse Jésus-Christ comme son Seigneur, ou quand quelqu'un dit que je suis chrétien, il veut tout simplement nous dire, Jésus-Christ est le souverain de ma vie. Je me soumets à lui et je lui obéis. Quand quelqu'un se dit je suis chrétien, il veut tout simplement dire, je reconnais l'autorité de Christ sur ma vie. Être prédicateur, être directeur, quel titre que vous pouvez en avoir, n'a aucun sens si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur. La seule chose qui doit dominer la pensée du chrétien, qui doit dominer la pensée d'un chrétien, ou, je peux encore dire, la doctrine fondamentale du Christ, de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Et quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, cela veut dire j'appartiens totalement et complètement à un autre. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie, ce n'est plus à moi-même, mais je suis le résultat de celui qui m'a conquis, celui dont je lui appartiens totalement, entièrement. Cela veut dire je suis modelé entièrement sous la volonté d'un Seigneur. Être chrétien, cela veut dire, je suis entièrement modelé par la volonté du Seigneur. Il ne peut jamais exister dans la vie d'un Seigneur sans esclave. Il ne peut pas aussi exister des esclaves sans Seigneur. Donc si Jésus est Seigneur, donc je suis son esclave. Je lui appartiens. Le mot Seigneur signifie Kurios, est mentionné 747 fois dans le Nouveau Testament. Ce mot décrit celui qui règne. Ce mot décrit le souverain. Ce mot décrit l'absolu. Ce mot décrit celui qui a toujours le pouvoir. Celui qui a toujours de l'autorité. Celui qui a toujours le droit de commander. Donc si Jésus-Christ est Seigneur, cela veut dire qu'il doit être l'absolu de ta vie. Il doit être celui qui règne en toi. Il doit être son autorité, son pouvoir doit être connu et reconnu en toi. Jude chapitre 4, Jude, le livre de Jude 4, Jude l'appelle le seul maître et Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, comme je viens de dire, est mentionné 92 fois dans les actes des apôtres et deux fois mon sauveur. Si vous lisez les actes des apôtres,
vous allez voir, deux fois on parle de Jésus comme sauveur, mais 92 fois comme Seigneur. C'est très, très significatif. Donc, le déclarer comme Seigneur signifie qu'il est le souverain absolu de ta vie tout entière. Donc, il ne faut pas seulement dire Seigneur, Seigneur, mais il faut reconnaître son absolu, sa volonté totale sur toi. Et la plupart des gens, ils disent ce mot Seigneur sans comprendre le vrai sens du mot Seigneur. Pourquoi Jésus-Christ est Seigneur? Il est réellement Seigneur dans ta vie? Ce sont les grandes questions qu'il faut poser. Est-ce qu'il est le Seigneur en toi? Est-ce qu'il est l'absolu dans ta vie? Si nous lisons la parole de Dieu, Actes chapitre 2, nous parlerons toujours de Actes chapitre 2, le verset 36 que j'avais donné la fois passée. Actes 2, 36. Pierre dit ceci. Actes 2, 36. Je vais recommencer à lire ça aujourd'hui. Actes 2, 36. Notre verset de base. Actes 2, 36. La Bible dit ceci. Actes 2, 36. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Voici ce que vous devez savoir. Peuple de Dieu, tous ceux qui me suivent de loin ou de près, avec certitude, Dieu a fait Seigneur et Messie, Jésus que vous avez crucifié. Donc ne les considérez plus comme fils de Marie, ne les considérez plus comme autrefois fils de l'homme, mais vous devez le considérer aujourd'hui comme un Seigneur. Si nous comprenons ce texte très bien, l'apôtre Pierre était en train de parler le jour de la Pentecôte. C'était au jour de la Pentecôte que l'apôtre Pierre parlait de ce texte. L'objectif du message de l'apôtre Pierre, c'était un message programme que le Saint-Esprit parlait au travers de Pierre le jour de la Pentecôte. Ce message a pour objectif glorifier Jésus-Christ comme Seigneur. C'est une des missions principales du Saint-Esprit qui nous révèle dans ce texte où Pierre est en train de conclure son discours pour dire au monde, pour dire à Israël que celui que vous avez vu crucifié, il n'est pas seulement fils de l'homme, n'est pas seulement un fils de serpentier, mais Dieu a fait de lui un Seigneur. Un Seigneur. Ne le voyez plus comme celui qui a été humilié, mort sur la croix, mais vous devez le réaliser aujourd'hui qu'il est Seigneur. Votre façon de le percevoir doit changer. Votre façon de le voir doit changer. C'est un discours qui présente Christ comme Seigneur. Donc ramène la pensée du peuple, ramène la pensée du peuple de considérer une nouvelle perception de Jésus qu'ils avaient vu. De changer, de le voir comme un Seigneur. Qui est Jésus? Voilà pourquoi j'avais dit, la résurrection, la proclame, proclame Jésus comme Seigneur de toute la nouvelle création. La résurrection proclame Jésus Seigneur de la nouvelle création visible et invisible. Donc le sacrifice de la croix avait pour but de lui faire un véritable Seigneur. Pour nous qui croyons en lui. La rédemption fait de lui Seigneur du peuple dont Jésus a acquis par son sang. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur, il restera Seigneur. Il est Seigneur même dans les jours à venir. Le jugement à venir constitue l'un des attributs de Jésus-Christ comme Seigneur. S'il va juger le monde, il ne le jugera pas comme vous croyez ou vous pensez, mais il jugera le monde comme un Seigneur de l'univers. Pour dire que Jésus que je vous prêche, il est Seigneur. L'apôtre Paul revient dans le livre de Philippiens chapitre 2. Il dit, Jésus a été exalté à une position suprême du Seigneur. C'était un discours de présentation de Christ comme Seigneur par l'apôtre Paul.
Donc nous devons comprendre, rien ne peut être supérieur à lui. Quand il est Seigneur, cela veut dire qu'il a l'autorité ultime dans toute la création. Rien ne peut être supérieur à lui. Pas de pouvoir qui soit supérieur à celui qui a été à Jésus-Christ. Aucun pouvoir, aucune puissance, aucune création, aucune créature ne peut être au-dessus de lui. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Il mérite le culte, il mérite la soumission de la création parce qu'il est le Seigneur de toute la création. Jésus-Christ est Seigneur, il est le souverain sur toutes les forces de la nature. Il est le Seigneur parce que c'est lui seul qui maîtrise la force de la nature. Il est le Seigneur, il est celui qui a la toute puissance suffisante sur le monde entier. C'est très magnifique. Voilà pourquoi je le confesse de tout mon cœur, Seigneur. Est-ce que vous le connaissez comme Seigneur? C'est bien de chanter Seigneur, mais il est réellement ton Seigneur. Le point que j'avais, je vais continuer avec vous aujourd'hui, deux points importants. Premier point, je vais continuer le point. Fréquenter l'église ne signifie pas toujours reconnaître Jésus comme Seigneur. Je reviens à ce texte. J'insiste. Fréquenter l'église ne signifie toujours pas reconnaître sa seigneurie sur vous. Lisons trois textes rapidement qui va nous pousser à avancer. Jean chapitre 6, verset 66. Jean 6, 66. Je vais lire rapidement Jean 6, 66. La Bible dit ceci. Jean chapitre 6, nous allons commencer au verset 66. La Bible dit ceci. Jean 6, 66. La Bible dit ceci dans ce texte. Mon Dieu. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui nous irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. J'aimerais parler de la réponse de Pierre. Simon Pierre lui répondit, Seigneur. Bon, pour les autres qui sont partis, Jésus n'était pas encore leur Seigneur. Mais pour Pierre, Jésus est son Seigneur. Si tu es le Seigneur de ma vie, j'irai encore où? Pierre veut nous dire dans ce texte, tu es celui qui domine nos vies. Tu es celui qui a toute la domination, le pouvoir, l'autorité dans nos vies. À qui irions-nous encore? Donc Pierre, dans ce texte, veut nous montrer, il reconnaît Jésus dans sa vie comme Seigneur. Et les autres, malgré on les appelle disciples, mais Jésus n'était pas encore leur Seigneur. Donc tu peux fréquenter l'église sans que Jésus soit ton Seigneur. Ils étaient disciples, mais Jésus n'était pas encore leur Seigneur. Deuxième texte qui va nous aider rapidement pour comprendre mieux. La raison pour laquelle Judas avait vendu Jésus. Vous savez pourquoi Judas avait vendu Jésus? Nous allons lire ces deux textes qui vont nous permettre de comprendre l'échec de Judas. Malgré les années qu'il a marché avec Jésus, mais Judas n'a pas compris le mot Seigneur dans sa vie. Marc chapitre 14, 44 à 45. Jean chapitre 13, verset 13. Ces deux textes nous permettront de comprendre les raisons pour lesquelles Jean 13, verset 13. Que dit la Bible? Ensuite, Marc 14. Jean 13, verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur. Waouh! Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Dans ce texte, Jésus porte deux titres. Maître et seigneur. Il accepte, il dit pour ses disciples, verset 14, si donc moi, le Seigneur et maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi. Donc dans ce texte, nous retenons deux mots importants. Maître et Seigneur. Deuxième texte. Marc chapitre 14.
Marc chapitre 14, 44 à 45. La Bible dit ceci. Marc 14, 44 à 45. Et celui qui les livrait leur avait donné un signe, disant, celui que je baiserai, celui-là, saisissez-le et amenez-le sûrement. Et quand il fut venu, aussitôt s'approcha de lui. Il dit, Rabbi, Rabbi. Et il baisa Jésus. Il le baisa avec empressement. Dans ce texte, le jour de la livraison de Jésus ou de la trahison, Judas utilise seulement un mot, Rabbi, qui signifie maître. Mais dans le livre de Jean, il y a maître et seigneur. Pour Judas, quelles que soient les années passées à côté de Jésus, Jésus n'était pas encore son Seigneur. Pour Judas, Jésus était un maître, un enseignant fabuleux, un prédicateur fabuleux. S'il passe, je vais chercher encore un autre maître, je vais chercher encore un enseignant à qui je vais encore m'inscrire pour apprendre. Mais pour Pierre, Jésus le reste Seigneur. Je ne peux pas avoir d'autre Seigneur si ce n'est que lui seul. Donc les titres sont importants, car les titres définissent aussi les relations. Papa et maman définissent la relation entre enfants et parents. Patron définit la relation entre employé et employeur. Le président définit la relation entre une nation et son chef. Le pasteur définit la relation entre l'église et son responsable spirituel. Le sans-titre, le monde est confus. Le titre définit aussi le rang, l'autorité et l'ordre. Mais dans ce texte, là, quand Jésus s'est fait Seigneur, ça définit aussi la relation entre Jésus et ses disciples. Quand ça dit maître, ça définit aussi la relation entre Jésus et ses disciples. Donc ici, Judas approchait de Jésus dans le jardin ce jour-là. Exactement, il appelle maître, rabbi. Il n'utilise pas le mot Seigneur. Maître, cela veut dire... Un rabbi signifie un enseignant. Dans ce verset, maître donne l'idée de celui qui est enseignant fabuleux et magistral. Cette nuit-là, nous révèle la vérité sur la reconnaissance par Judas de sa soumission à Jésus, à l'autorité de Jésus. Pour Judas, Jésus est un maître. Il le déclare maître. Donc la relation de Judas avec Jésus, c'était tout simplement une relation maître. Enseignant et son élève, mais pas un seigneur et son esclave. Qui est Jésus pour toi? Donc cette nuit a révélé la vraie relation de Judas avec Jésus. Je vais terminer par là vous dire ceci. Celui qui ne reconnaît pas ton autorité, il sera toujours une porte d'entrée pour te détruire. Celui qui ne reconnaît pas ton autorité, chasse-lui de ton entourage, car c'est par lui que l'ennemi viendra. Tellement Judas n'a pas reconnu l'autorité de Jésus, voilà c'est par lui que l'ennemi viendra. Pour terminer, je vais encore dire un mot important. La vraie autorité, pour que tu puisses savoir que celui-ci reconnaît mon autorité, c'est dans les moments difficiles, dans les moments de conflit, dans les moments où les choses ne marchent pas bien. Sa façon de répondre, son attitude à ton égard prouvera que cet homme reconnaît mon autorité ou ne reconnaît pas ton autorité. Ta façon de répondre à ton pasteur quand il y a un conflit, ta façon de répondre à ton mari quand les choses ne marchent pas, détermine le niveau de reconnaissance de ton autorité de sa personne. Sinon, de telles personnes seront toujours des portes d'entrée pour l'ennemi. J'aimerais terminer par là avec vous. Jésus-Christ est Seigneur, il doit être l'absolu de ta vie. Venir à l'église ne signifie pas. Le temps nous presse chaque jour. Samedi, nous n'avons que 15 minutes que nous allons apporter sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc Seigneur, qui signifie que celui détient l'autorité suprême dans ma vie. Il est le possesseur de ma vie. Le possesseur de ma vie. L'autorité absolue de ma vie. Seigneur, c'est aussi l'idée que vous avez cédé tout le domaine de votre vie à sa direction. Il a le contrôle de tout ce que vous avez. Si Judas avait appelé Jésus Seigneur cette nuit-là, n'allez pas le vendre.
n'allait pas le céder, n'allait pas le livrer. Jésus n'était qu'un simple prédicateur, un enseignant. Qui est Jésus pour toi? Jésus est seulement un guérisseur. Mais tu viens à l'église parce que Jésus bénit. Tu viens à l'église parce que Jésus guérit. Tu viens à l'église, ta relation avec Jésus, c'est parce qu'il guérit, parce qu'il bénit, parce qu'il donne du travail, parce qu'il va t'élever. Voilà le niveau de relation que tu as avec Jésus. Un Jésus qui guérit, qui bénit, qui restaure, qui élève, mais pas le niveau de relation que Jésus est Seigneur. La plupart des gens viennent à l'église et leur relation avec Jésus, ça se limite au niveau de Jésus qui élève, qui va me délivrer des épreuves, qui viendra faire ceci, qui viendra faire ceci, qui viendra faire ceci, qui fera ceci, qui chasse les démons, qui va me délivrer de la malédiction. Voilà le niveau de relation que nous avons plus avec Jésus, mais pas le niveau de relation des seigneurs. Qu'il devient un seigneur. Tout ce qui est comme obstacle, malédiction, n'aura pas de place dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.